Bonsoir à tous, le mardi 27 décembre 2022. Bienvenue sur ce flash d'information sur Malik Nofolichon. Les soldats ivoiriens détenus au Mali au nombre de 46 depuis 5 mois pourraient bientôt rentrer chez eux. Les autorités maliennes et ivoiriennes ont signé le jeudi 22 décembre un document actant leur libération. La communauté chrétienne du Mali a célébré le dimanche la fête de Noël, marquant la naissance de Jésus-Christ. Du nord au sud, les fidèles ont prêché pour le retour de la paix et la cohésion sociale. Faisons un tour au nord du pays, la ville de Tessit, dans les cercles d'Assongo, le nouveau sous d'embargo des groupes terroristes appartenant à l'État islamique au Grand Sahara. Les autorités locales alertent sur les conséquences humanitaires. Un incendie d'origine inconnue a ravagé Uarnu, le marché de fin d'année Cisa à l'Assai Demule, un quartier de Bamako. 3 personnes ont été blessées et plus de 150 stands partis en fumée. Et enfin, nous partons à Sikasso. Après 20 ans de conflit autour du site d'orpaillage, les 3 villages de la commune de Missini dans les cercles de Kadjolo se sont enfin réconciliés. Fidèles abonnés de Malik Nofolichon, c'était l'information du jour et à demain, Inch'Allah.